Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, on va traiter ce petit problème d'arithmétique. Donc, on va devoir trouver n tel que 1 factoriel fois factoriel de 2 fois factoriel de 3 fois etc. fois n factoriel est égal à 125 411 328. Sachant que la notation factorielle, comme c'est expliqué ici, factorielle, bien c'est le produit des 8 premiers entiers. Si vous voulez résoudre ce problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo et moi je vous donne la correction juste après. Alors en fait, ce qui va nous aider, c'est ce 000. Donc ça veut dire que ce nombre-là, 125 411 328 000, eh bien, il va s'écrire 1000 fois quelque chose. Donc 1000 fois, on va dire, 125 411 328. Alors si on décompose 1000 en facteur premier, on va trouver 5 fois 2, donc 10. 1000 c'est 10 fois 10 fois 10. 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2. Fois 125 411 328. C'est-à-dire que donc dans la décomposition en facteur premier, on va avoir 3, 2 et 3, 5. Donc pour avoir 3, 5 ici, bien nécessairement il faut le 5 factoriel. Il faut aussi le 6 factoriel. Il faut le 7 factoriel. 6 et 7 factoriel. Il faut le 5 factoriel, le 6 factoriel, le 7 factoriel. Donc ici, 1 factoriel fois 2 factoriel fois 3 factoriel. Fois 4 factoriel, fois 5 factoriel, fois 6 factoriel, fois 7 factoriel. On peut vérifier ça sur une calculatrice. Et bien, ça fait 125 411 328 000. Donc la bonne réponse. C'est la réponse 7. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.